Hey yo tout le monde les amis, c'est Superhero, donc je viens de se retrouver bien pour une vidéo très spéciale vu qu'aujourd'hui je vais vous parler de Minecraft. Donc comme vous le savez, Minecraft s'est fait racheter par Microsoft. Aujourd'hui je vais vous parler de tout ce qui est en rapport avec Minecraft, toutes les nouvelles nouveautés qui vont sortir et les atouts contraignants de ce rachat. Alors déjà parlons des rumeurs. Alors par rapport au rachat de Minecraft, Minecraft sur PC ne va pas être supprimé. Évidemment que non, sinon ça va créer carrément un total désastre. Tous les youtubeurs minecraftiens qui vivent de YouTube, qui vivent de Minecraft vont évidemment être pénalisés. Donc évidemment que non, Minecraft va pas être supprimé. Il va plutôt, on va dire, se développer encore plus, car une version PS Vita est sortie il y a pas très longtemps. Oui, ou il n'est pas sorti, je me souviens plus tellement. Ça, c'est vraiment le truc qui passait de rumeur en rumeur. Donc Minecraft ne va pas du tout cesser d'exister sur PC. Donc par rapport aux nouveaux qui vont avoir Minecraft ou qui vont racheter Minecraft dans quelques temps, c'est que Minecraft va augmenter, enfin Microsoft va augmenter le prix de Minecraft. Donc de base Minecraft c'est 19,99 et maintenant il va passer à 40 €. C'est vraiment énorme quand même pour ce jeu-là, mais il vaut vraiment le prix. Mais par rapport au prix de base, c'est vraiment bien bien augmenté. Je trouve ça pas super d'avoir augmenté le prix de Minecraft. Même si c'est un bon jeu, pour moi j'aurais pas tellement fait ça, mais bon. Donc vous qui achetez, qui aime Minecraft et qui aimerait jouer, je vous conseille vraiment d'acheter Minecraft dans ces périodes-là avant que Minecraft aille doubler son prix. Sinon je crois que la carte bleue va chauffer un peu. Par rapport aux pailles de texture qui allaient disparaître au niveau de Minecraft, pas du tout qu'ils allaient être payants. Au contraire, tout va rester à peu près sur PC normal. Sur Xbox, ça va pas changer. Il y aura des packs de textures payants, comme d'habitude, skins et tout ça. Niveau des mises à jour sur Minecraft, non, les mises à jour ne seront pas payantes. Au début, on croyait vraiment qu'elles seraient payantes, mais pas du tout. Elles vont rester gratuites. Donc, parce que je suis pas sûr que tout le monde aurait les moyens de à chaque fois racheter la mise à jour, même si elle vaut 99 centimes. Entre parenthèses 99 centimes, je suis pas sûr que ça plaire aux gens et je crois que Minecraft perdrait beaucoup de personnes et que au lieu de gagner de l'argent, ils en perdront un peu plus. Donc ça c'était vraiment au niveau de Minecraft, donc il faut surtout pas s'inquiéter même si Notch restera toujours le dieu de Minecraft, même s'il se fait racheter. Pour moi en tout cas, ça restera toujours le dieu de Minecraft, ça changera pas du tout, mais voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc c'était vraiment un petit bref sur Minecraft, ce qui se passait dans les prochains jours et tout ça sur Minecraft. Donc ça va pas beaucoup changer. Petit lapin. Ça va pas du presque pas changer à part ce que je vous ai dit. Il y aura vraiment pas beaucoup de trucs qui ont changé. À part le truc contraignant des 40 €, mais sinon je vois pas. Pour le moment il n'y a rien qui était dévoilé qui allait être plus cher, mais j'espère que Minecraft va rester tel qu'il est, parce que si on passe à un Minecraft déjà que 40 c'est énormément cher. Je trouve que déjà ils ont bien augmenté les prix, tout ça, donc c'est vraiment, vraiment une parenthèse dessus. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que cette vidéo vous aura été utile à comprendre à peu près les prochaines mises à jour, ce qui allait se passer sur Minecraft, et c'est vraiment une petite parenthèse dessus. Donc sur ce les amis, je vous laisse. Donc en même temps je vous laisse regarder le fameux plugin WordEdit que j'ai fait aujourd'hui et que vous avez beaucoup attendu et que on m'avait un peu spammé sur Skype à certains abonnés à qui j'avais donné mon Skype. Donc vraiment la version est sortie. Donc si vous voulez je vous mets directement, ça s'affiche directement à la fin de ma vidéo. Sur ce les amis, je vous souhaite une agréable soirée et on va se laisser avec un agréable petit lapin. Coucou toi.